Je vais vous présenter le tour, 4 secondes, pas plus. En effet, c'est le temps qu'il me faudra pour localiser une carte choisie et la retourner face en l'air dans le jeu. Le tout sans regarder mes mains. Donc je vais mélanger le jeu. Vous coupez le jeu. Parfait. Et maintenant, vous allez toucher une carte, celle que vous voulez. Celle-ci. Celle-ci, là? Oui. Ok. Il s'agit du... 9 de carreau. 9 de carreau, d'accord. Attention, 3 secondes, pas plus. 1, 2, je reviens devant, une carte est face en l'air, c'est le 9 de carreau. Ouais. D'accord. On va recommencer. Le 9 de carreau, on laisse sur le dessus du jeu. Coupé. Attention. Je peux voir la carte du dessus? Ah oui, bien sûr. Dessus okay. Aussi, d'ailleurs. Ok. Attention, j'emmène le jeu dans mon dos. 1, 2, 3, ah. Une carte est face en l'air, c'est le 9 de carreau. Je recommence. La carte, je la mets quelque part dans le milieu du jeu. Vraiment perdu. Attention, je l'emmène dans mon dos. 1, 2 et 3. J'étale le jeu. 9 de carreau est ici. Pour la dernière, pour la quatrième, la dernière fois, je vais vous montrer le 9 de carreau. C'est la carte que vous avez choisie au début. Et cette carte, c'est vous qui allez la mettre quelque part dans le milieu du jeu. Vous la mettez où vous voulez. Ici, voilà, c'est parfait. Attention. 1, 2, 3. Une carte apparaît et c'est le 9 de carreau. Et voilà. Merci.